comment commencer? En fait, j'ai été invité par Emma, que je remercie déjà, une première fois, pour cette invitation. Donc à Pipon, comme vous avez pu voir, ce lieu assez, assez étrange, assez original. Et l'impression première que m'a fait ce lieu, c'est vraiment cette ambiguïté entre un lieu finalement presque chargé d'émotions, de spiritualité, j'irais jusque-là, et en même temps cet objet complètement technique, cet objet vraiment qui est une espèce de force de travail assez incroyable. Et du coup, d'une certaine manière, il y a eu une émergence comme ça de cette idée aussi de la turbine qui est venue aussi lié à ce bruit de l'eau constant qu'on entend bien là, du bon an là, qui est tout le temps présent, qui est tout le temps ici, qu'on entend en permanence, et le bruit aussi finalement presque industriel des voitures, des camions qui passent au-dessus. Et voilà, je suis parti sur ce grand moulin à prière finalement. C'était ma première idée qu'on pourrait lancer comme ça, comme pour faire vibrer le pont d'une autre façon. Et puis avec ça est venue aussi cette deuxième idée qui est assez simple, de renverser la turbine et d'en faire une horizontale qui vient couper, casser l'angle, et qui elle est beaucoup plus finalement dans ce rapport industriel et qui craque, qui grince lorsqu'on la lance. Voilà. Et puis donc grosso modo voilà, pour faire simple, après il y aurait plein de choses à dire, on pourrait en parler. Si ça vous intéresse, venez me voir, on en discute. Et puis après, il y avait. C'est vrai que Pipon est dans un endroit un peu saugrenu, c'est-à-dire qu'on a du mal à le saisir sur le bord de la route. Il n'est pas à l'entrée du village, il est déjà sur le. Voilà, il est mal déterminé d'une certaine manière. Et j'avais envie de placer un phare, quelque chose qui puisse vraiment être visible et qui parle. Merci. Et qui parle d'une certaine manière de la même chose, mais en extérieur. C'est-à-dire, ici, on a un lieu clos avec des turbines qui sont fermées. Et à l'extérieur, on a une structure complètement évidée avec une turbine ouverte. On est dans une dialectique différente, dans un rapport différent. Et qui laisse s'inscrire le paysage, qui laisse passer le regard à l'extérieur. Et qui permet, un peu comme le pont, de donner un point, un marqueur sur la vallée, bon, d'une autre échelle évidemment, mais qui permet de noter ce superbe espace qu'est Pipon, qui est assez incroyable. Et l'art contemporain, c'est aussi ça, c'est se saisir d'opportunités et de faire en sorte, comme par exemple de l'autre côté du pont, où on a fait l'acquisition à l'occasion d'une exposition de Montfleur, et bien d'une des sculptures de Montfleur que vous pouvez admirer juste à la sortie du pont sur la rive droite. Le parking, l'opération 2KM3, a été aussi initiée parce qu'il y a eu des artistes qui sont venus dire « on aimerait faire quelque chose ». Et on a trouvé effectivement le lieu insolite, l'idée complètement folle, mais suffisamment de bonne volonté pour que ça devienne une réalité. La piscine, bien évidemment, également. Alors tout ça, ça peut se faire que s'il y a des équipes et des personnes qui sont motivées et qui ont des envies, mais pas des envies personnelles, des envies de faire évoluer, de laisser une trace pour les générations futures. Il n'y a pas d'art ancien s'il n'y a pas d'art contemporain. Parce que c'est en créant des choses aujourd'hui qu'on fera de l'art ancien pour demain. Et c'est l'héritage qu'on doit aux générations futures.